Alors, Viviane Chalère, vous êtes quelqu'un de nature assez discrète et vous vous retrouvez sur le devant de la scène, alors contre votre gré, et Oui, c'est tout à on fait vous a juste. senti pendant cette audience relativement combative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre cheminement entre la Viviane Chalère chercheuse, biologiste, et la Viviane Chalère, héros de la cause Non, vous de avez la maladie raison. de Lyme. Vous avez raison de dire que je n'aime pas du tout me mettre devant la scène et que je suis plutôt à l'aise derrière un microscope que devant des caméras. Mais néanmoins, j'ai eu conscience ce matin qu'il y avait quelque chose de très important, un jeu très important à jouer, qui consistait à taper du poing sur la table pour dire à quel point ce procès était une ineptie d'une part, et d'autre part, à quel point les responsables de la maladie de Lyme en France, qui sont au Centre national de référence à Strasbourg, ont très mal abordé la question et surtout ont falsifié des résultats, ont falsifié une réalité qui n'était pas du tout ce qu'ils prétendaient être. À savoir, ce que j'ai fait était éventuellement justifié. Ils auraient pu en discuter avec moi. C'était leur rôle, leur mission, c'est-à-dire d'expertiser les techniques de sérologie pour la maladie de Lyme, mais également de conseiller et de dialoguer avec les professionnels de santé à ce sujet. Or, ils ont toujours refusé de dialoguer avec moi. Je ne sais pas si vous avez entendu le mail que j'ai échangé avec le professeur Jolac, où je lui demandais justement une rencontre suite à un changement de thèse de Biomérieux pour voir un petit peu ce qu'il en pensait, pour savoir un petit peu comment il appréhendait ma manière de procéder, c'est-à-dire de façon systématique avec un Western blot qui confirmait, quel que soit le résultat de l'ELISA, une sérologie qui devait être la plus vraie possible. Donc, ce monsieur Jolac, vous avez entendu sa réponse. Rapprochez-vous de Biomérieux, ce qui avait été fait depuis fort longtemps, et moi, j'ai plus rien à vous dire. Alors qu'il était en train d'organiser quelque chose pour justement prouver que j'étais dans l'erreur la plus totale, que je rendais des faux positifs. Il était en train d'organiser tout ça avec des confrères, avec, je ne sais pas, différentes instances qui auraient pu réagir tout à fait différemment. Donc moi, je n'étais pas mis au courant. Ça se passait dans mon dos et jusqu'au jour où on a fermé mon labo brutalement du jour au lendemain. Le 31 mai 2012. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé et c'est effectivement quelque chose qui n'est pas du tout normal dans un pays de liberté où des professionnels de santé qui veulent bien faire, on ne les écoute pas. D'autres qui ont un certain pouvoir par rapport à la santé toujours se croient tout permis. Et du coup, voilà, le procès a lieu alors qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu. Ce procès aurait dû être un procès entre scientifiques. On aurait dû discuter entre scientifiques, ce que j'ai réclamé depuis très longtemps. Et ça n'a jamais pu avoir lieu parce qu'il le refusait systématiquement. Qu'est-ce que vous répondez aux accusations d'enrichissement? Parce qu'il en a été question, notamment dans les réquisitions du procureur, qui vous ont dit il y a eu une escroquerie, vous avez modifié les tests, et ça a profité à votre laboratoire. Oui. Alors d'abord, quand j'ai démarré les tests de Western blot systématique, c'était en 2007. Et l'année 2007 s'est passée normalement. J'en faisais un peu plus que la moyenne des labos d'emblée parce qu'il y avait vraiment un besoin. Mais ça s'arrêtait là. Comment vouliez-vous que je prévoie que la demande allait croître d'une manière aussi spectaculaire? J'avais investi dans un appareillage extrêmement coûteux et j'achetais donc les réactifs Western blot qui venaient de Microgel, sachant que ce sont les réactifs les plus chers, parce que c'est les meilleures techniques au monde qui sont issues du génie génétique. Donc, si vous voulez, la marge bénéficiaire qui était engendrée par cette technique était nulle. Quand on parle d'une augmentation du chiffre d'affaires, attention, ce n'est pas l'augmentation du bénéfice net, ça n'a rien à voir. Or, quand on fait le calcul du coût que représentait cette technique par rapport à ce qu'elle me rapportait, vraiment là, on n'est pas des escrocs, hein, au contraire, on est plutôt des idéalistes. C'est-à-dire que le coût du réactif était de, je ne vais pas dire de bêtises, 32 euros, 33 euros. Le coût de l'appareillage, 5 500 euros, j'en avais 4. Le coût de
du laser pour la lecture, 800 euros. Le coût de la maintenance, 3000 euros par an. Le coût du temps de travail des secrétaires qui recevaient les colis, qui envoyaient des enveloppes, qui remplissaient les boîtages pour envoyer aux médecins. Et évidemment, les résultats qu'il fallait regarder les uns après les autres, ainsi que le rendu des résultats sur l'informatique avec 30 réponses pour chaque antigène, plus deux réponses concernant le score total, plus toute la phrasologie concernant la conclusion, ça prenait un temps fou, c'était extrêmement chronophage. Donc, comment voulez-vous parler d'escroquerie alors que c'était un test prestigieux, mais surtout qui apportait énormément aux médecins? Donc ça n'a rien à voir, c'est une ineptie de dire qu'il s'agit d'une volonté d'escroquerie alors qu'il s'agissait d'une volonté de trouver une vérité scientifique qui était un petit peu abandonnée dans la mesure où le test ELISA n'était pas valable, et ça tout le monde le dit à l'international, et en France malheureusement on continue de dire que le test ELISA est très bon alors qu'on sait pertinemment que c'est faux. Alors maintenant, le procès n'est pas tout à fait terminé, mais au moins l'enquête policière est terminée. Vous êtes retraité. Quelle va être un petit peu la suite? Est-ce que vous allez laisser tout ça derrière vous comme un mauvais souvenir, ou est-ce que vous allez devenir une des figures de proue de ce mouvement pour la reconnaissance de la maladie de Lyme? Écoutez, si je peux être utile dans un centre hospitalier ou dans un service particulier où je pourrais apporter mes compétences, je suis tout à fait prête à le faire, même à titre tout à fait bénévole. Cela dit, les techniques avancent et évoluent énormément. Actuellement, on ne parle même plus des tests sérologiques avec recherche d'anticorps, donc les méthodes indirectes, mais on parle de recherche directe, c'est-à-dire la bactérie elle-même, soit par amplification génique, c'est-à-dire qu'on recherche les chromosomes de la bactérie qui sont très spécifiques de la bactérie et on les identifie par amplification et on dit voilà, c'est positif et on ne peut pas se tromper parce qu'il n'y a pas de réaction croisée. Vous aimeriez continuer dans la recherche peut-être? Oui, éventuellement, pourquoi pas. Ou alors, on fait des études microscopiques relativement simples, par microscopie fond noir, par exemple, où on observe le sang des personnes susceptibles d'avoir Lyme, et on trouve, et je l'ai fait, on trouve des parasites, c'est-à-dire des bactéries, des boréliques, qui sont caractéristiques dans le sang périphérique des gens. Et alors là, on a un diagnostic certain.